Salut mes petits corbeaux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous sommes le 25 mai 2016 et on fête les 1 an des À quoi on joue. Alors, je voulais revenir un petit peu quand même sur l'histoire de la chaîne avant de commencer la FAQ, donc la foire aux questions qui était prévue pour cette vidéo. Donc, il faut savoir que la chaîne a beaucoup plus d'un an. Elle a été créée le 4 octobre 2011. Pour juste mes abonnements à différents youtubeurs notamment. Et la première vidéo du coup arrive réellement sur la chaîne que le 6 octobre 2014. Alors cette première vidéo, c'était pas sur les TCG, c'était un live de métal, c'était un live du Rising Fest 4. 4 et ça correspondait à un concert de Majesty, enfin à la Presta de Majesty. Donc voilà, la première vidéo réellement sur la chaîne qui est arrivée, c'était un live de métal. Il y avait l'intro plus une chanson. Puis derrière, il y a eu une autre chanson, je crois, qui est arrivée, ou un morceau de chanson qui est arrivé. Donc voilà. La première vidéo concernant les TCG, elle arrive le 2 novembre 2014, donc un peu plus d'un mois derrière. Et ça correspondait au report vidéo en fait. Et à la conférence sur Cardfight Vanguard qui avait été donnée lors du Dijon Saiten numéro 10, donc il a eu lieu en. Alors j'ai plus les dates en tête, les 11 et 12 octobre 2014, donc le temps de traiter un peu les vidéos, de faire le montage, tout ça vite fait. On est arrivé au 2 novembre 2014. Donc voilà, là c'était clairement les premières vidéos de la chaîne. Ensuite, il y a eu des vidéos un petit peu à gauche, à droite, comme ça, surtout des lives que j'arrivais à choper à gauche, quelques reports de vidéos, voilà. Et ben, le 25 mai 2015, je me suis dit, allez, je vais me lancer dans les vidéos d'explication de règles de jeux de cartes. Et c'est comme ça que sont nés les À quoi on joue. Alors, ceux qui étaient là, donc au départ, il doit pas y en avoir beaucoup et. Vous avez dû remarquer que le rythme a bien changé. On était à une vidéo par semaine. Et maintenant, on est à un à quoi on joue par mois. Bon, à côté, je fais d'autres choses. Donc, ce qui fait que la chaîne est vraiment active. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. Il y a eu pas mal de choses qui se sont ajoutées entre les vidéos de tournoi Vanguard pour que les gens puissent après regarder là où ils font des erreurs. Les différents reports de convention. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les lives de métal qui traînent encore. Il y a eu quelques également deck profile, mais j'ai vite laissé de côté. Donc voilà. Et c'est à peu près tout. Donc voilà, donc 1 an de à quoi on joue, donc ça passe vite, hein, on dirait pas comme ça. Mais voilà. Et donc du coup, je vous propose de passer à la FAQ. Donc la FAQ, je l'ai divisée en deux parties, parce que finalement j'ai pas eu des masses de questions sur le métal, sur les jeux de cartes, sur les jeux de cartes, et ben, du coup j'en ai plus eu sur le métal, du coup je coupe ça un peu en deux. Vous allez voir, pour les cartes ça va aller assez vite, il y a deux questions. Pour le métal, il y en a quatre. Voilà, j'ai pas eu beaucoup de réponses par-dessus, c'est. Sur mon post, sur le commentaire Facebook, sur le post Facebook, j'ai pas eu des masses de questions en commentaire, du coup voilà, je me retrouve un peu comme ça. Donc, première question sur les jeux de cartes, comment j'ai découvert ma passion pour Vanguard? Alors, Vanguard, j'ai commencé à y jouer en décembre 2012, 2013, 2012, 2012. Oui, 2012. Léger bug. Donc en décembre 2012, j'ai commencé avec un TD, c'était le TD2 Kagero Dragonic Overlord, que j'ai légèrement amélioré avec des Lawkeeper, Dragonic Lawkeeper. Donc voilà, sachant qu'avant, ben, j'étais pas trop fan, des potes m'avaient un peu montré en octobre, novembre, ce que ça donnait. Départ, j'avais pas trop accroché, et puis au final, on m'a fait: ah non, mais vas-y, regarde l'anime, tu verras, ça change de Yugi. Ça change de Yugi, ben ouais,
Surtout qu'à l'époque, ben, c'était Zexal qui passait. Comment dire, voilà quoi, c'est Zexal. Entre Zexal et Vanguard, du coup, ben, c'était Vanguard. Bon, au départ, j'ai continué un petit peu Yugi, puis en 2013, j'ai complètement zappé Yugi. Et je me suis mis vraiment qu'à Vanguard, ce qui continue encore aujourd'hui. Vous pouvez le voir sur la chaîne de toute façon, il n'y a pas de. Voilà, donc c'est surtout grâce à l'énigme et puis deux potes qui jouaient, deux, trois potes qui jouaient à l'IUT informatique à Dijon. Voilà. Donc c'était la seule question de TCG pour la FAQ. Je vous ai dit qu'il y en avait deux, mais en fait l'autre c'est une suggestion de jeu qu'on m'a fait. Donc on m'a proposé de faire des vidéos pour le jeu Ashes, les héritiers du Phénix. Alors, on est au mois de mai. La personne qui m'a posé la question ne s'attendait pas à ce que justement je propose ce jeu-là. Et du coup, au mois de juin, vous allez avoir deux unboxings pour Ashes. Vous allez avoir la boîte de base début juin. La semaine suivante, vous allez avoir les deux extensions. Et la troisième semaine de juin, vous allez avoir donc le à quoi on joue sur Ashes, les héritiers du Phénix. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je veux parler, c'est ce jeu-là. Donc voilà. Je vais du coup faire la vidéo est déjà prête, elle vous arrivera mi-juin, à peu près. Je crois que c'était le 13 ou le 14 juin, un truc comme ça. Voilà. Donc voilà pour la partie TCG, ça a été assez vite, hein. De toute façon, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser en commentaire, ou alors sur ma page Facebook, dont vous avez un lien également dans la description de la vidéo. Et j'y répondrai à ce moment-là, ou alors j'y garderai pour une prochaine FAQ, pour un moment particulier. Donc on va passer maintenant à la partie métal. Donc les questions de métal, alors là j'en ai eu donc 4. Ça, je m'y attendais pas en fait, je pensais que les gens allaient me poser uniquement des questions sur les TCG, genre les TCG que j'ai le plus aimé, ce genre de choses-là. Et au final, bah non, que nenni, métal. Bon, bah voilà, comme ça viendra un peu remplacer le manque sur la chaîne. Donc voilà. Donc, une des questions qu'on m'a posée, c'est quel est le premier groupe de métal qui m'a marqué? Alors, il faut savoir qu'on m'a fait découvrir le métal en 2007, quelque chose comme ça, j'étais en quatrième. Le premier groupe qu'on m'avait fait écouter, c'était In Flames. Le premier album, c'était Clayman. J'avais trouvé ça plutôt sympathique, j'avais pas été plus loin, puis j'avais demandé à un pote comme ça, celui qui m'avait fait découvrir, ben t'aurais pas d'autres albums à me conseiller, d'autres groupes. Là, il m'a passé, il a Brave New World de Iron Maiden, et ça a été un grand coup de cœur à l'époque. Et du coup, ben voilà, j'ai eu quasiment toute la discographie de Maiden jusqu'à 2010. J'ai pas le Book of Souls qui est sorti l'année dernière, mais j'ai une bonne partie de leur discographie. Il me manque, je sais pas, 2-3 albums enfin, que j'ai déjà écouté, enfin que j'ai écouté, j'ai quasiment tout écouté. Et il y en a certains, c'est clair et net que je les réécouterai pas, genre Virtual 9 ou 11, je sais jamais dans quel ordre c'est le X et le 1. Ça doit être 11, je crois. Non, c'est 9. Voilà, bref. ou alors même le tout premier Iron Maiden où je suis pas habitué à la voix de Paul Di'Anno, je suis beaucoup plus habitué à la voix de Bruce Dickinson pour le groupe là. Donc voilà pour cette question là, donc c'était vraiment Maiden qui m'avait marqué au tout départ. Et pendant un long moment, parce que j'étais borné, 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 et puis un pote m'a dit oh, tiens, faudrait que t'écoutes ça, vas-y, écoute. Et du coup, depuis, il me passe toujours plein de groupes et ça me permet de découvrir des trucs plus ou moins sympas. Généralement plutôt sympa, des trucs plutôt cool, même s'il y a certains trucs, certains groupes que j'écouterai pas forcément constamment, mais au moins de temps en temps, ça change un peu. Voilà. Alors, on me demande également si j'avais un groupe de métal, tout genre confondu, donc tout style confondu plutôt, est le meilleur. Là, ça va dépendre de pas mal de choses. Ça va être en fonction des goûts de chacun, j'ai envie de dire. Ça va être si on préfère le black, le pagan, le death. Après, il peut y avoir un mélange de death mélodique, black pagan, ce genre de choses.
Personnellement, je trouve pas qu'un groupe de meilleur est... un groupe de métal est meilleur qu'un autre. Mais j'ai mes préférences, on va dire. Chacun a ses préférences. Il n'y a pas réellement, on dit pas, ouais, celui-là. Même s'il est vrai que il y a des groupes qui ont forcément du coup plus de budget, qui peuvent faire des albums de meilleure qualité, une meilleure production. Enfin, après, je parle surtout au niveau de la production plus propre, ce genre de choses-là. Mais ça ne veut pas dire que des petits groupes underground ne vont pas faire des chansons juste géniales à côté, quoi. Il y en a, hein. Je pense à Dragvald qui était pas si connu que ça et qui a ces dernières années, là, donc là ils ont sorti leur deuxième album cette année en 2016, donc au début du mois de mai. En 2014, je crois que c'était Resist Fatality, donc leur premier album. Et là ils avaient déjà commencé à avoir un peu de succès et ils ont lancé du coup une tournée avec Resist Fatality et. Ils ont pu jouer comme ça pour la tournée européenne, je sais plus, c'était Enzyme Ferrum, enfin la tournée française d'Enzyme Ferrum, donc ce qui est pas non plus n'importe quoi, puisque c'est quand même maintenant un des grands groupes de pagan finlandais. Donc voilà, ils sont plus connus maintenant, et leur deuxième album est plus propre. Mais ça, si vous étiez sur ma page Facebook, vous avez pu voir mon petit avis dessus. Donc voilà, après. Donc si je devais choisir un groupe préféré, Enzyme Ferrum que j'aime beaucoup, mais pas que, il y a beaucoup de groupes en fait. Ça ferait beaucoup de groupes à citer. Ouais non, il y a vraiment beaucoup trop de groupes que je pourrais citer, du coup, il n'y a pas vraiment de réponse unique à cette question-là. C'était pas réellement une question qu'on m'avait posée, mais... Je les ai transformés en questions pour qu'il y ait un peu plus de contenu sur la vidéo. On m'avait demandé si j'allais faire d'autres reviews d'albums sur ma page Facebook. Bon, si là, d'accord, c'était une question. C'est celle d'après que j'ai transformée. Du coup, oui, je pense que je vais faire d'autres reviews d'albums. Logiquement, il est où? Il est là. Donc, je l'ai reçu aujourd'hui. C'est Realms of Odoric. Donc le dernier album de Suidakra qui est sorti le 20 mai. Vu que je l'ai reçu aujourd'hui, je peux pas faire la critique aujourd'hui. Je vous l'aurais bien fait à la base pour la faire dans la FAQ avec un autre album, mais vu que je n'ai pas encore eu le temps de l'écouter énormément, je l'ai écouté une fois, tu vois. C'est pas suffisamment pour se donner son avis. Et du coup, je le donnerai plutôt la semaine prochaine. Comme si j'arrive à avoir mon Whispered qui devait sortir le 20 aussi. J'essaierai de donner mon avis sur les deux albums en même temps. Donc voilà. Il nous reste une dernière question. Est-ce que je prévois du coup de faire ces reviews en vidéo? C'est-à-dire, est-ce que je vais réellement faire des critiques de... Alors, je ne pense pas, clairement. Je ne suis pas suffisamment bon au niveau technique pour pouvoir justement me permettre de dire, alors là, il y a un riff qui est nanana. Là, il y a la batterie qui est un peu forte, tout ce genre de trucs-là. Non, je suis pas assez bon là-dessus pour pouvoir faire de la vraie critique, entre guillemets, d'album. Et du coup, c'est plutôt, je donnerais mon avis et ça ferait des vidéos beaucoup trop courtes, à moins que je m'amuse à faire, par exemple, une vidéo pour les trois albums que j'ai achetés qui sont sortis ce mois-ci. Voilà, donc y a pas là où je peux réellement faire, j'ai vraiment matière. Je peux pas réellement me permettre de faire une critique d'album en vidéo. Donc voilà, du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez besoin de... Si vous voulez vraiment suivre ma chaîne, les avancées des vidéos, ce genre de choses, ce que je prévois de faire, ce que j'ai envie de faire. Je vous invite à aller sur ma page Facebook dont le lien est en description de la vidéo. Donc voilà. Pas plus à dire. Si vous avez aimé la vidéo, je vais faire comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre des petits pouces bleus, hein. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également partager la vidéo. Bon, celle-ci, peut-être pas. Mais d'autres vidéos de la chaîne, si elles vous ont plu. J'essaierai de refaire quelques vidéos de trucs en ligne ou ce genre de choses si je trouve, mais également d'autres vidéos. Alors là, faut savoir qu'à l'heure actuelle, je vous ai prévu déjà des vidéos jusqu'à août, donc
Elles sont pas toutes tournées, hein, par contre. Pas toutes tournées, il y en a certaines qui sont déjà montées et tout. C'est juste que je les ai programmées au cas où j'oublierais de vous faire du contenu ou ce genre de choses. Mais vous avez au moins du contenu jusqu'au mois d'août. Donc voilà, allez, je suis là-dessus. Je vous dis à ciao, à plus et à bientôt sur ma chaîne.